Merci Pascaline, je passe la main à Rodolphe et Dany qui sont prêts. Salut tout le monde. Bon, on espère que vous êtes chauds, j'imagine. Qu'à présent, on va garder les plus courageux pour ce training. On vous laisse encore une ou deux minutes pour souffler et on va attaquer tout de suite avec un petit échauffement de 2-3 minutes. Je vais en profiter tout de suite pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a préparé. Donc, un échauffement tranquille. Après, on aura un Tabata. Donc, un Tabata, plusieurs circuits. Une fois que ce sera fait, donc là, normalement, on commencera à être bien, bien fatigué. On aura un petit retour au calme, enfin une récupération active, juste des abdominaux, 15 minutes. On repartira sur du cardio. Et à la fin, je vous ai prévu un petit finisher avec un challenge. Vous allez voir tout ça, de toute façon, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Salut Virginie. Du coup, petite minute de pause, soufflez un peu, hydratez-vous et on attaque tout de suite après. Je vais mettre la musique. Et c'est parti pour une heure de training. Let's go. Allez. Sur ce training, du coup, il va durer une heure. N'hésitez pas à un moment donné de souffler, ralentissez un petit peu la cadence. Hein. Ça va être à votre rythme. On aura quand même des options, bien sûr, hein, tout le long du cours. Est-ce que tu es prêt, Rodolphe ? Moi, je suis prêt. Ok. Bon. Donc, en gros, pas de matos. Hein, pour ce training, ce sera que du poids de corps. Allez, je mets la musique et c'est parti. On va se réchauffer. Let's go, ici on commence. Est-ce qu'on nous voit bien? Alors, on commence ici de Rodolphe, à droite, à ma gauche. On est parti, on respire, on se grandit. Ok, c'est bien, relâche, ici on va chercher les pointes de pied sur le côté. Enroule le dos, garde les jambes tendues.
risquer de contracter. Et le petit titillement de gauche à droite. Soupe au niveau des chevilles. On est encore sur l'échauffement, ici il reste 2 minutes d'échauffement. Après on intensifie sur le tabata. Les genoux, hauteur ceinture si possible. Donc bien sûr, un petit peu plus bas. On lâche, on descend un petit peu le câble, on bascule sur les cuisses. 1, 2, 1 et 2, je remonte. Ouvre bien. Et on monte. Essayez de contracter fort les fessiers à la soufflée. Hein. Ok, nickel. On accélère single. En haut et en bas. Inspire et souffle. Ajoute. Et les bras vers le plafond dans le 4. 3, 2, 1, en haut. On termine tranquillement ce côté d'échauffement avec le gainage et les ventres. Ici, je vends une belle planche, les mains en dessous des épaules. On termine l'échauffement là-dessus. On se fera une petite pause juste après pour s'hydrater. Et après on attaque le Tabata. Donc Tabata qui va durer 15 minutes avec une grosse intensité. Encore 20 secondes de gainage, Rodolphe. Ne triche pas s'il te plaît. 10 secondes de gainage. Allez, 4. 3. La dernière, on relâche, hydratez-vous. Petite pause juste le temps pour nous d'installer le matos. Et on attaquera avec le Tabata 3 exercices. Premier Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Ok, 3 exercices. Let's go, petite pause si tu veux discuter, vas-y, on a trop de temps. Allez, en place, c'est déjà fini pour la pause. Premier exercice ici, c'est tranquille, c'est les piétinements. Premier exercice du Tabata, on connaît, on l'a eu sur l'échauffement. Continuez, on a 20 secondes d'effort ici. 10 secondes de repos donc, vous pouvez bien mettre de l'intensité hein, sur le Tabata puisqu'on aura du repos. On relâche 10 secondes. Pour les 3 premiers exercices, vous allez voir, c'est pas très compliqué, par contre petit à petit c'est que de plus en plus dur. Deuxième exercice, on a 3 genoux à tout taper. 1, 2, 3, je bloque. 1, 2, 3, je bloque. Le but est d'être rapide et de monter le plus haut possible. Petite pause, 10 secondes encore. Let's go ici. Et les jumping jacks. Ouvrez grand. On continue encore. Un petit peu plus bas et un petit peu plus rapide sur les fessiers. Let's go! Descendez, hein, soupe au niveau des genoux. On continue encore, hein. À chaque fois il y a 2 coups de soufflet. Hein. Ça c'était notre premier circuit de 3 exos. On est sur un niveau easy. Petite pause. Le deuxième circuit sera sur un niveau medium. On avait appelé 3 genoux, on bloque. Let's go! Allez, est-ce que
je récupère. Dernier exercice, jumping jack. 20 secondes. Let's go! Ouvrez le grand, allez droit au-dessus de la tête. Après, on aura une pause de 2 minutes avant d'attaquer le circuit médian. On relâche. C'était la première partie. On a 2 minutes devant nous pour boire un coup. On attaque le deuxième circuit un petit peu plus dur, dans 1 minute 30. Allez, soufflez. Alors, le deuxième circuit, je vous explique ce qui se passe. Du coup, on augmente un petit peu la difficulté, on a 30 secondes d'effort. 15 secondes de repos, 3 exercices. Je vous montre les 3 exercices, on aura le premier, c'est le patineur de gauche à droite. On amortit, on envoie sur les côtés. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on aura, on verrouille le pied droit, on envoie la pompe devant. Un squat sur le côté. Derrière, ok, et après on aura le même et de l'autre côté. On lance le chrono, on est parti. Deuxième tour. Allez, on a le jump-up-key. Let's go, là c'est le patineur. On a 30 secondes d'effort sur les côtés, on envoie. On est parti. Même chose ici, on aura 6 minutes de travail. Respirez, levez-vous les bras. J'envoie, on va le faire sur un côté, puis de l'autre, bien marqué. On traite le fixier. Encore, encore. On relâche, 15 secondes de pause. On a juste après, on va revenir la pompe devant. Le squat de côté, la pompe derrière. Donc ici, cette jambe-là, elle ne bouge pas, juste la jambe gauche. On est prêt, on est parti. Devant. Et derrière. Allez, descendez au niveau des amplitudes. Adaptez-vous si c'est un petit peu plus compliqué. On descend un petit peu en bas. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Calez bien votre respiration. Va vous aider. Encore. Laissez le poil vers l'arrière. Tiens-moi. C'est la pause. 15 secondes. On a la même chose de l'autre côté, juste après on tient bon, on verrouille la jambe gauche, c'est quoi ça? 4, 3, 2, 1, let's go. Devant, derrière. Allez, restez motivés, hein. Ils sont pas fins de mouvement. Ils vont chaper les yeux, faites bon. On a fait du sport en rentrant. Nos abdominaux, nos fessiers. Encore. Devant. De pied. Derrière. On souffle, on reprend le patineur. Et la même séquence une deuxième et dernière fois. Ouais, on souffle. 4. 3. 2. 1, le patineur. Et dernière seconde, un peu bon. Hey,
tenir pendant 2 minutes de pause dans notre Instagram de Bernie Challenge. Le plus hard. Est-ce que on change de jambe? Et voir. Alors sur le squat, hein, tu fais bien les genoux, hein, la résistance extérieure, on laisse de la place pour le bassin. Et sur les bras, pour l'équilibre. Et calez votre respiration. On récupère. Je laisse la musique. Ouh. Bon, est-ce que jusqu'ici ça va? Non, non, jusqu'ici ça devrait aller. On est encore sur un niveau plutôt faisable. Là, on va devenir dans un niveau un peu plus compliqué. Le cardio, il va exploser. C'est le dernier circuit. 3 exos, 2 tours. On aura 40 secondes de travail et 20 secondes de récup. Donc on augmente toujours petit à petit. On prend encore une bonne petite minute. On attaque ce dernier exercice. Je bois un petit coup et c'est reparti. Ça va, Rodin? Ouais, ça va, ça va. Ça le fait. La burpees, 40 secondes. Hein. Soufflez, profitez-en. Allez, on se met en condition donc. Premier option pour la burpees, sur le jump. Boum. On descend au sol, en planche. On remonte. Le dos droit, deuxième option de la vitesse avec le jump. Challengez-vous! On a presque terminé le Tabata! Pause.
exercice. Je le sens, je pousse pointe de pied. Allez, chez vous, descendez les fesses, il nous reste 3 minutes de travail. Et après, on fait une pause conséquente. Hein. Et il nous reste 20 secondes encore. Allez, relève, descend les fessiers. Le regard, hein, loin devant. Encore, encore, les dernières secondes. Après, c'est la pause pendant 20 secondes. Bien sûr, si ça passe, on avait le jump. Hein. C'est vous qui voyez. On lâche. Et les pompes. Et juste après, j'espère que vous tenez bon chez vous. Ici, on commence à avoir très, très, très chaud. Ouais. Et la pause, hein, je vous le répète, elle arrive très, très bientôt. Hein. Allez. Next. Donc bien sûr, burpees, adaptez-vous au niveau du rythme, de la vitesse. Le but, c'est de pas s'arrêter, mais faites-la doucement si vraiment vous n'en pouvez plus. Hein. Évitez de vous arrêter au maximum. Allez, partir, les meufs. On est 17, 18 courageux. Faut pas s'arrêter, Rodolphe, ralentis pas. Allez, 10 secondes. Manu, j'espère que tu donnes un fond aussi. Virginie aussi, je vois que t'es là. On relâche. Faites une pause, hydratez-vous. Je coupe la musique et je vous explique ce qui se passe après. Allez, on souffle. On profite. C'est dur. Alors vous avez pas vu, mais il y avait Rodolphe qui était allongé là dans l'angle mort. Il se cache dans l'angle mort allongé comme une merde par terre. K.O. On souffle, on prend du temps quand même, la marche, évitez de faire comme je fais, à genoux, on coupe la circulation sanguine, donc pour repartir c'est compliqué, marcher tranquillement, souffler, on se fait 4-5 bonnes minutes, moi je vous explique ce qui va se passer ensuite. Donc là on va repartir sur quelque chose de moins intense, hein. Bien sûr là on était parti quand même dans les tours, là on va juste passer sur 15 minutes d'abdominaux. Ça va permettre de relâcher un petit peu le cardio. Et puis de focaliser bien sûr la sangle abdominale hein, qui est très très importante. Et après on repartira sur le petit finisher, on va voir le temps qui nous reste. Pour partir sur la fin, même chose, on remontera dans les temps, dans les tours. Donc là ça va être avec Rodolphe cette partie là, abdominaux. Ouais. Dans 2-3 minutes, hein, on souffle. Donc bien sûr un tapis et puis de l'énergie. Tu vas prendre le relais, Rodolphe, pour expliquer un petit peu si tu veux. On revient les tapis. Alors du coup pour ce circuit, ce renfort abdos, du coup on va faire justement un petit circuit de gainage avant, d'accord, histoire de bien réchauffer la sangle abdominale, hein, même si elle a déjà bien travaillé là. Ok, donc on va faire un petit peu de marche de l'ours, de gainage sur tous les côtés, voilà, pour la taille. Et après on attaquera du coup le renforcement pur des abdos avec que des abdominaux, donc des exercices différents à chaque fois, ok. En tout cas, ça va être plus dur hein, niveau des sensations, ça va être un peu plus fort. Voilà. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. Donc, on peut commencer du coup face à votre tapis, debout. On va commencer avec le petit circuit de gainage. 30 secondes à chaque fois. Ah, ça transpire. Hein. Ok, du coup, 30 secondes à chaque fois, voilà. Pour chaque exercice de gainage pour commencer.
et on pourra attaquer Laurent Faupur. Ok, bah c'est quand tu veux, Rodolphe. Ouais. Bah, c'est parti, les gars. Donc, parle bien fort que même. Voilà. Mets en place. Tac. Hop. Alors, je vais baisser un peu le son pour qu'on soit sûr de bien entendre les abdos. Ok. Allez, c'est quand tu veux. Ok, on commence. Avec la marche de l'ours. Ici, placé pour passer un tapis. On va venir descendre en squat, ici je place les mains au sol. Je viens voilà, on dénage et je remonte. Ok, on est parti. Je descends, je me place et je remonte. Ok. Ok, inspire quand tu descends et souffle quand tu montes. Ok. Ok, le regard vers le sol, les mains sous les épaules, et je reviens. Ça c'est pour choper la sangle abdominale tranquillement. Ok, 4, 3, 2, et un dernier, on relâche. Ok, ici on vient se placer directement sans pause, en gainage, bras tendus. Le regard vers le sol. Ok. Tranquillement, le regard vers le sol, les mains sur les épaules. Ça commence à chauffer un petit peu aussi au niveau des bras. Ok. On respire, on continue. Reste en appui. Ok. Ok, ici, il nous reste encore 10 secondes. Ok. 4, 3, 2, 1, relâchez, ok. Relâchez tranquillement, on bascule sur le côté, on va travailler un peu plus la taille. Ici, placez le coude en dessous des épaules. Première option la plus facile, genou au sol. Ok, et jambes tendues, on va chercher vers le plafond. Ok. Ça, c'est pour l'option la plus facile. Option plus difficile, les deux jambes tendues. Ok, la main vers le plafond. On regarde droit devant soi. Et on tire. Ok. On fait à mesure, on met le genou au sol. On souffle continuellement. Ici encore 10 secondes. Allez, tiens, 4, 3, 2, 1, et relâchez, ok. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Directement, placez-vous. Coude sur le sol, en dessous des épaules. Pareil ici, option la plus facile, avec le genou au sol, ok, travaille très bien aussi. Deuxième option, les deux jambes tendues, ok, toujours le regard droit devant vous, on respire, on ne lâche pas, ok, allez, on souffle, si on a la moitié. On va bien aller en jouant le plafond pour bien contracter la taille. 4, 3, 2, 1, relâchez, ok. Ok. On va pouvoir ici basculer directement au sol, ok. On se place sur le dos. On va passer au renforcement. Ok, donc là. Encore une fois, plusieurs options pour les exercices. Comme ça, on va pouvoir faire de tout niveau, hein, débutant et confirmé. Donc, on commence tranquillement ici. Option, on fait la plus facile. Les pieds au sol, je monte. La tête, j'envoie le but vers les jambes. Ok, et je monte. Main au niveau des jambes. Sinon, option plus difficile, on ramène les genoux. À 90 degrés, on continue. Ok. Donc là, on pense à bien tirer le nombril. J'inspire quand je viens au sol et je souffle quand je monte. Ok. Ok, on continue encore. 8. On commence à avoir mal à la nuque, on place les mains au niveau du cou.
Donc là, je tends la jambe vers l'avant et j'envoie ce qu'il est trop vers le genou qui est plié. Si jamais c'est trop compliqué, on reste les pieds au sol. Et pareil, ici j'envoie le genou et je monte l'épaule. Ok. Inspirez toujours bien le nombril, d'accord? Le but ici, c'est vraiment de monter l'épaule vers le genou. Ok, on va pas juste tourner le cou. Montez bien haut. Arrêtez. Soufflez quand vous montez, inspirez quand vous descendez. Arrêtez. On continue ici. Encore 8. Ok. Encore 4. 3. 2. 1. Ok, on relâche. Tranquillement ici. On va pouvoir passer sur le bas des abdominaux ici. Placez les mains sous le bassin. Ok, vous les mettez sur les lombaires. Ok. Ici on va venir pousser les jambes. Ici on va amener les genoux et pousser les jambes vers l'avant. Ça, c'est l'option la plus facile. Ici, option difficile pour les confirmer. Eh bien, tendre vers l'avant. Et je remonte. Ok, bien tendu à chaque fois. Je descends et je remonte. Inspire et souffle. Ok. Le regard vers le plafond. Ok. On descend pas trop bas pour pas creuser le dos. Dès que tu sens que ça creuse, tu peux commencer à remonter. L'exercice, il fait bien mal. Ok. Si jamais c'est trop dur, on reste sur l'option. Hein. Comme Dani. 4. Okay. 3. 2. 1. Et on relâche. Okay. Relâchez. Les pieds au sol. Ici, on va venir coller les pieds, enfin, les talons au niveau des pieds. Rapprocher les genoux. On va venir taper au niveau de la cheville. On décolle les épaules du sol. Et on vient taper de droite à gauche. Le regard entre les deux genoux. Donc là, on n'a pas d'option pour cet exercice. Hein. On prend son temps et on se repose quand on veut. Ok. Ok, on envoie. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ici, on bosse hein, au niveau de la taille, hein, sur le côté des abdominaux. Ok. 8. 4. 3. 2. 1. On relâche. Ici on relâche. Tranquillement. On va pouvoir faire un tout dernier circuit pour terminer. On enchaîne juste deux fois. 30 secondes de gainage. On aura attendu avec 30 secondes de mountain climber. Ok. Allez, c'est parti. Placez ici les mains en dessous des épaules, j'ai entendu, bras tendu. Ok, donc ça c'est l'option la plus difficile. Pour ceux qui ont plus de mal sur cet exercice, on vient placer les genoux au sol. Et ici on reste en gainage. Ok. Ensuite on aura des mountain climber, on monte les genoux l'un après l'autre dans la même position. Ok. Soit les genoux au sol, soit en dessous. Ok, c'est bon pour vous. Si on garde le dos bien droit, on part en 4, 3, 2, 1, ici, respirez en gainage, bras tendus, jambes tendues. Ok, sur les genoux, regardez vers le sol, aspirez le mou. Ok. On respire tranquillement ici, continuellement. 4, 3, 2, 1, ici, je monte. Ok. On prend son temps. 4. 3. 2. 1. Ok. On reste au gainage tranquillement. Ici, on reste un petit peu moins de temps au gainage pour terminer. 8.
pied. 4, 3, 2, 1, montez les genoux. Pensez bien taper. Ici, on va pas chercher à aller très vite, d'accord? On cherche juste à faire tranquillement. On passe sur les genoux, hein, si jamais c'est trop compliqué. Ok. 4, 3, 2, 1, et on relâche, ok. Posez les genoux. Et relâchez. Ok. On est bon pour les abdos, on va pouvoir continuer avec la suite de ce training pour bien terminer. J'espère que ça vous avait fait du bien un petit peu ce petit circuit abdominaux, donc c'était vraiment le but de redescendre un petit peu la pression, l'intensité pour repartir sur quelque chose de cardio. On va un petit peu abréger malheureusement le training d'aujourd'hui. J'avais prévu un peu plus de choses, mais comme du coup ça s'est décalé un petit peu tout à l'heure avec le créneau du step, c'est pas grave, on va encore monter quand même en pression. Pour le coup, il reste 10 minutes de travail avec un petit challenge sur la fin histoire de bien en finir pour bien être KO pour ce soir. Donc là encore, on prend une petite minute de pause et on est reparti. Et je vous explique au fur et à mesure ce qui va se passer. Soufflez et on est reparti. Donc là, oh, ça va. Voilà. Donc, on fait. Ouais, tu vois, du coup, je vais appeler un petit peu de. Oui, on va faire celui-là. Et tranquille. Bah, tu vas voir. Ok. Donc, dernière ligne droite, hein, 10 minutes. J'ai besoin de tapis. Je vous explique, on a première chose, on a les fentes alternées, ce sera le premier exercice. J'envoie le pied gauche, le pied droit, ok? Option plus difficile, avec le jump, on changera de pied, ok? Une fois que ça se sera fait, on aura les chassés de gauche à droite. Je descends les fessiers, j'ai deux chassés sur le côté, je touche le sol, je repars de l'autre côté, ok? Troisième exercice, ici, j'ai un squat. Le genou, un squat, le genou gauche. Ok, on alterne de droite à gauche. On n'a que trois exercices à mémoriser. On va les enchaîner et après on a un petit challenge juste après. Let's go, je mets la musique. Et là, faut que ça pète. Reste 4,
on pousse sur deux squats. Hein. Je vois ici, il y en a qui ont abandonné, on avait commencé à 17. On n'est plus que 15. Il reste les plus courageux, hein. Tenez bon. Allez, Rodolphe. Il en reste deux. La dernière, on connaît le squat. Genou alterné. Dernier exercice. C'est le dernier. On bloque. Dernière étape de ce training, le challenge. On bloque en squat, on bloque en gainage, on alternera, il reste 2 minutes de travail pour ce training et après c'est terminé. Allez, maintenez. 4 secondes. En planche. Le dos est droit, on est guidé comme une planche. 1 minute 30 de travail. Et c'est fini, on alterne entre deux postures, celle-ci et le squat. Encore 15 secondes de gainage. Aspirez le nombril, hein, c'est important. Allez, restez en gainage. Respirez. Hein. 5 secondes et c'est fini. Ne lâchez pas. 2 secondes. Il en reste une dernière. On lâche. Ok, soufflez. C'est terminé. Buvez un coup. Marchez tranquillement. On apaise un petit peu les tensions et après on fait le retour au calme. Je vous laisse souffler, tranquille. Allez, marchez. Tranquillement, on peut déjà être fiers de nous. Le training est fini, récupéré. On fait un petit retour au calme juste après avant de continuer avec le Ilia qui est juste après nous. Marchez encore un peu. Là, du coup, on va pouvoir reprendre son tapis. Bon, j'espère que vous avez été meilleur de Rodolphe, hein. C'est bien monte. Bon, n'hésitez pas à nous commenter un petit peu ce que vous avez pensé de l'intensité. Si c'était trop facile, faut nous le dire. Si c'est trop difficile, ça faut pas nous le dire, vous le gardez pour vous. C'était trop facile. Allez, on s'allonge sur le tapis, le doigt plat. Là, on va se faire du bien. Alors, est-ce qu'on nous voit bien? Allez, déroulez votre dos. Tendez les jambes, envoyez les bras loin derrière. Allez, respirez profondément, on les contracte. Tu peux tendre les jambes, Rodolphe, si tu veux. Grandissez-vous le plus loin possible, on va attraper un genou pour le presser. Fort contre
contre soi, on vient l'écraser. Okay, très bien, même chose de l'autre côté, n'oubliez pas d'inspirer puis de souffler. Je rapproche le genou, hein, mais je souffle en même temps pour aller chercher un petit peu plus loin en accentuant ce déchirement. Ok, très bien. On se redresse, vertèbre après vertèbre. Ok, on va venir rattraper. Ici, le talon, on enroule le bassin vers l'avant. Et ici, on va être sur des étirements légers, hein, puisqu'après on a l'aéro juste après. L'idéal, encore une fois, c'est de tirer une heure après la séance. Hein. Ça, c'est juste pour détendre un petit peu. Hop, on voit plus ma tête. Ok. Dernier tirement, les deux un peu plus lâche les épaules. Inspire, grandis-toi. Ok, relâche le dos rond, souffle, genoux fléchis, décontracté. La tête est lourde, on remonte vertèbre après vertèbre. Et on peut s'applaudir, on peut vous applaudir. Bravo vous pour le training. Surtout si vous avez fait les deux cours d'aéro juste avant, enfin les deux cours de step juste avant. Je vous laisse en compagnie de Carmen qui vient juste d'arriver, qui va vous expliquer un petit peu ce qui va se passer pour la reste. Re-coucou. Du coup, c'est Jérémy, c'est ça, ouais? Ouais, c'est Jérémy, il est en train de finir de se préparer. Ça a été avec les gars, là? Merci, Laura. Ils ont fait transpirer, merci, vous avez Véro. Chaud? J'espère que ça a été pour toi aussi. En tout cas, ils ont l'air d'avoir chaud, les gars. Je sais pas vous, mais... Nous, on est pas mal. J'espère qu'il vous reste de l'énergie. Il y a un LIA qui arrive. Ça va être la folie. Si vous aimez l'aéro ici, là, ça va donner. Ah, Jonathan, il a kiffé. Ouais. Virginie aussi. Nickel. Parfait. Vous ça êtes fait tous plaisir, prêts. Tous ces petits messages. Du coup, je suis... Il en peut plus. Je te laisse faire le fil conducteur. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire la tournée avec vous. Je vous laisse. À bientôt. Faites une petite pause, bien sûr, avant l'aéro. Et à bientôt.